L'apathie et l'aboulie, c'est une allitération. Bon, explication. L'apathie et l'aboulie, bon, vous chercherez exactement, c'est des troubles de la schizophrénie. Enfin, la schizophrénie, on devrait dire les schizophrénies. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent les psychiatres parce qu'ils connaissent mieux que nous. Il n'y a pas qu'une schizophrénie, et puis il n'y a pas qu'un schizophrène. Même quand vous faites partie d'une des cases de la schizophrénie, vous n'êtes pas pareil que celui d'à côté. Eh bien, c'est normal. Et on ne dit pas que tous les cardiaques, ils sont tous pareils, hein, non? Mais bon, voilà, pareil. Bon, voilà. Donc, ça, c'est voilà. Alors, l'apathie et l'aboulie, c'est une allitération. Parce que dans la schizophrénie, il y a des symptômes dits négatifs, c'est-à-dire il manque des choses. C'est pas que c'est péjoratif. Non. Enfin, si, c'est péjoratif. Enfin, oui, enfin, bon, bref. C'est pas que c'est péjoratif, c'est des choses qui manquent. Donc, c'est parce qu'il y a des choses en trop et il y a des choses en manque. Donc, dans les choses en manque, il y a l'apathie. Apathie. On va vous dire exactement apathie, ce que ça veut dire. Apathie. Apathie. Impassibilité, indifférence à l'émotion. Voilà, c'est des trucs en moins. Et l'aboulie, aboulie, définition, tac. L'aboulie. Une diminution, une privation de la volonté. Et qu'est-ce qu'ils font les schizophrènes? Enfin, ouais, les schizophrènes quand, eh bien, des fois, ils se retrouvent dans leur lit. Donc, c'est une allitération. Mais moi, je fais le petit jeu de mots, allitération, l'allitération. Je vais vous dire exactement allitération, ce que ça veut dire. Allitération. Définition, c'est un truc avec les voilà. Répétition des consonnes. Eh bien, le A, c'est une consonne. Non, c'est une voyelle, merde. Eh bien, c'est pas une allitération. C'est une assonance, je crois. Attends. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas tout à fait juste, mais c'est pas grave. Apathie, aboulie, sous-entendu que c'est. On répète deux fois le mot A. Enfin, ouais, ça sonne pareil. Donc, j'ai voulu dire que c'était une assonance, mais j'ai dit une allitération. Tant pis, il y a une petite erreur. La différence entre l'allitération et l'assonance, c'est qu'il y en a un. C'est la consonne et l'autre c'est la voyelle. Mais il y a la répétition du même son quand même. Bon, mais bon, je me suis plantée, c'est l'assonance, mais c'est pas grave, hein. On dira que c'est une allitération. Et les schizophrènes, quand ils souffrent de troubles négatifs, souvent ils sont dans leur lit, dans leur canapé, ils bougent plus, ils sont alités. Voilà, donc apathie et aboulie, c'est une allitération. Allez, ciao, à bientôt.